Je suis sûr qu'un bon nombre d'entre vous n'ont pas encore touché leur cours et ça se comprend. On manquait de motivation même avant Corona, donc là c'est pire encore. J'étais dans une situation assez similaire il y a deux mois et voilà comment je m'en suis sorti. Je devais préparer les cliniques, un examen qui avait lieu après trois mois et qui comportait toute la chirurgie ainsi que toute la pédiatrie. Mais je ne passais pas du tout de temps à réviser et j'ai procrastiné pendant trois semaines. Vu le travail énorme qu'il y avait à faire et vu que je n'avais pas touché de cours pendant des mois. Mais depuis maintenant 42 jours, je passe environ une à deux heures chaque jour à étudier, ce qui est beaucoup mieux que zéro heure, n'est-ce pas J'ai pu grâce à ce temps finir pas mal de cours en chirurgie ainsi qu'en pédiatrie. Et voilà ce qui a causé ce changement dans mes habitudes. Pendant ma période de procrastination, je lisais un livre nommé Tiny Habits, écrit par BJ Fogg un behavioral scientist de Stanford qui a consacré sa vie à l'étude scientifique de la motivation. Dans la première partie de son livre, que je lis toujours d'ailleurs, il explique que l'action est due à deux variables. La première étant la motivation et la deuxième étant la facilité. Et donc en absence de motivation, comme c'est le cas pour moi et pour pas mal d'entre nous, il faut maximiser la facilité. Et pour faire ça, il fallait supprimer tout obstacle qui rend le fait d'étudier plus difficile. Pour moi, ces sources de difficultés, c'était entre autres que je ne savais pas de quelle source étudier, que j'avais des difficultés à définir quel cours étudier, que je me forçais à réviser pendant de longues heures, et que ma méthode de travail consommait beaucoup d'énergie mentale, ce qui me faisait éviter de commencer. J'ai résolu ces problèmes à travers quatre solutions. J'ai choisi une source unique pour toute la prépa, j'avais choisi Micbook, ensuite j'ai réalisé qu'il y avait un polycopier qui était plus adapté pour moi, pour le deuxième problème, j'ai établi une liste de cours, ou bien j'ouvre le polycopier et je le feuillette jusqu'à trouver un cours qui m'intéresse. Pour le troisième problème, au lieu de me forcer à réviser chaque jour pendant des heures, j'ai choisi la durée la plus courte possible. Chaque jour, je ne dois étudier que pendant une minute environ. Mais si j'ai envie de faire plus, je fais plus. Jusqu'à présent, et contrairement à mes attentes, il n'y a eu qu'un seul jour pendant lequel je n'ai étudié qu'une seule minute. Pendant tous les autres, une fois que j'avais entamé la première minute, j'avais envie de continuer et de faire 20 voire 30 minutes. Les premiers jours de cette expérience, je les ai consacrés à l'organisation. J'ai notamment défini la source via laquelle j'allais étudier et j'ai établi une liste des cours. Pour le quatrième problème concernant ma méthode de travail, au lieu d'avoir comme objectif de mémoriser le cours, j'ai défini comme but de rendre le cours plus facile à mémoriser. Et si nécessaire, de laisser pour plus tard les parties du cours qui étaient très difficiles. Mais il y a une troisième variable qui change tout. À part la motivation et la facilité, il y a besoin d'un élément déclencheur. Un truc que tu vois et qui te rappelle de passer au moins une minute par jour en train de réviser. Pour moi, c'était ça. En face de moi, j'ai accroché ce calendrier de ma mini habitude, contenant les jours restants avant les cliniques, soit 77 jours. Et chaque jour durant lequel je passe en moins une minute en train d'étudier, je le coche, fier de ma victoire. J'ai donc pour toi trois actions. La première est de réaliser le calendrier de ta mini-habitude. La deuxième est de te poser la question qu'est-ce qui fait que pour moi c'est difficile d'étudier et qu'est-ce que je peux faire pour que ça devienne plus facile. Et la troisième c'est d'envoyer cette vidéo à trois de tes amis pour qu'ils te rejoignent dans ce challenge. Et bien sûr n'hésite pas à sonner la cloche pour être au courant dès qu'une vidéo comme celle-ci est publiée. Et je te dis à bientôt sur la...